Attention, interview du personnage, partie 2. Et action. Que faites-vous réellement dans la vie? À ton avis, connard? Je suis médecin. Mais toi pour les vaches? Moi je vis dans la nature. Que faites-vous réellement dans la vie? C'est une blague ou quoi? Je suis Big Flo. De Big Flo et Oli. Eh bien, écoutez, je suis auteur, c'est-à-dire que je... Alors, vous ne m'entendez toujours pas, hein, c'est ça? Monsieur? Eh, putain de voix. Je suis peintre en bâtiment! L'étincelle de Dieu. Des fois, je peins avec de la sauce tomate, mais... C'est pas pareil. Bah, je suis un genre de poète! Ah! Je suis sans la retraite! De quoi? Je suis expert comptable. Si? Eh ben, je suis professeur d'université! Depuis que je me suis échappé du laboratoire, que... Comment ça? Quoi? Quel laboratoire? Mais là, y'a pas de laboratoire, c'est pas vrai! Quel est votre parcours? Mon parcours n'a rien à voir avec un laboratoire, je tiens à le dire, voilà! Je suis né de deux individus humains et qui s'aimaient fort, et mes parents. J'ai né dans la nature. Je suis grandi dans la nature. Oh, les parcours du parc, c'est plutôt compliqué. Dans la France, on a du mal à parler un peu et je... C'est toujours compliqué, disons-le nous. Au départ, j'étais un grippin, puis d'option en option, j'ai fini par devenir expert en relations humaines. Qui sait de quoi demain sera fait? Bah c'est mon père! Mon père il m'a dit, toi Audrey, tu seras médecin pour les vaches! Du coup je suis médecin pour les vaches. J'ai eu un parcours semé d'embûches, mais je pense que t'as la fille. L'important c'est de croire en ses rêves. J'ai plus ou moins été maudit par Satan. Longue histoire. Moi j'ai fait du rap et ça marchait quoi, mais... On s'en fout sur YouTube. Ah, je fais des vlogs. Auriez-vous des conseils à donner à la jeunesse? Non, rien à foutre. Moi je suis là vraiment pour l'argent. Bah déjà, arrête de regarder les vidéos de ce connard de merde de Lingzesson. N'ayez pas trop de rêves. Vous êtes globalement trop con pour vos ambitions. Je dirais de moi que soyez le bilingue, ça aide beaucoup. Je trouve que la jeunesse est très bien comme elle est. Je suis Jean-Michel Sarcasme. Ne mettez pas le Tupperware dans le four. Mauvais plan, les enfants. Non, faut pas faire ça. Soyez sages, les enfants. Et consommez un maximum de drogue. Auriez-vous des conseils à donner à la jeunesse? Eh bien, personnellement, j'adore Super Mario Bros. Je vois pas le rapport. Mais parce que c'est un... jeunesse. Comment vous décririez-vous en 5 mots? Bientôt en fin de vie! Sévère, mais juste. Gros enculé. Efficace. Vraiment très... très efficace. Que je viens de la nature. Ça fait 6 mots, ça. Que je viens de la nature. 5 mots. Pas si désespéré que ça. Un peu gluant, mais appétissant. Sergent, ça dépend si on compte les sergents, sergent. Et depuis quand on compte plus les sergents, Blobby? Sergent, c'était une question compliquée, sergent. Quel point culture seriez-vous à même de réaliser? Oh, bah un point culture sur les cours. Vu que maintenant il faut être youtubeur, footballeur ou chanteur pour avoir une influence sur ces connards. Le point de la culture que je voudrais faire serait sur l'anglais de le manger. Pourtant... Point culture sur les motos. Les grosses motos. Avec les... cuir, pot d'échappement et grosses motos. Une culture sur la sauce tomate. Parce que j'aime la sauce tomate. J'adore la sauce. Bah, un point culture sur les poids.
pas comme son prana. J'ai fait rien point culture sur la choucroute. Sauerkraut. Mais j'ai peur que ce soit un peu cliché. Un point culture sur l'orthographe. Vous savez écrire orthographe? Bah oui. Comment ça s'écrit? Bah avec un stylo.